Bonjour à tous, c'est Diablinthe, bienvenue dans ce nouvel épisode de Harvest Moon, un monde à cultiver. Ah, du courrier. J'ai besoin de deux tomates de glace, Sarah. C'est une quête comment, elle? Parce que ça, des tomates de glace, je les ai. Je sortais de la maison, je t'ai pas dit bonjour. J'espère que la tâche. Non, bah, à part ça, tu me dis plus rien, toi. Je sais pas quand je vais être papa. Hein. Ils attendent directement devant leur mangeoire. Peut-être que je le caresse de temps en temps, lui. Oui, c'est long ta grossesse. Bah, c'est pas la mienne, hein, mais oui. Ça se trouve. Elle a accouché, je m'en suis pas rendu compte. Parce que ça fait combien de temps? C'était pas la semaine dernière. Est-ce que c'était la semaine d'avant? J'ai un doute. Il te donne quoi, la reine? Rien. Par contre, j'en ai besoin pour faire... une course. Il y a un festival de rennes. Fait, c'est comme le cheval, je suppose. Il sert pour les déplacements, pour faire... Certains font un festival et puis c'est tout quoi. Alors, ça c'est bon. Les animaux sont faits. Bah, j'ai des fleurs. Hein. Oui.
Une nouvelle fleur. Un maïs du désert. Bah tu vois, j'ai bien fait de mettre de l'engrais dessus. Et voilà, il fallait que je retourne voir qui, moi. Alors, je vais vendre les fleurs. Il faut que je vende ça au fur et à mesure parce que j'en ai beaucoup. On va aller se vider les poches. On va aller faire la quête. Alors, je garde les tomates de glace. Faut que je vende ça. C'est normal que t'aies pas arrosé? Bah non. Non, non. Merci. Alors, maquette. Il faut qu'on aille à 22 h. Tu as lu ma lettre. Il ne faut pas que j'oublie de te donner ça. D'accord. Donc ça, c'est une quête classique. Oh, 20 graines de tomates. Braden a vécu des moments difficiles. Ses parents sont morts alors qu'il n'était encore qu'un jeune enfant. D'accord. Bon, bah, c'est pas elle qui va me donner une nouvelle quête. Pourtant, je crois que c'était ici. J'ai pas mal de graines du coup, on va tout planter.
il faut qu'on attende 22 heures. Donc on va s'occuper pendant ce temps-là. J'ai les super engrais, on va regarder ce qu'on a à faire pousser dans la lave là. Céleri non ça laitue magma, donc je suppose que c'est de la laitue. Et des herbes enflammées. C'est quoi ça, les herbes enflammées? Bon, laitue magma, j'ai une... Où est la laitue? Ça doit être celle-là quand même, de la laitue classique qu'on met là-bas. Pourtant c'est bizarre, il n'y a pas de... Et herbe. Herbe, c'est du céleri. Donc il me faudrait laitue et herbe. Non, et céleri, j'ai dit. Du céleri et de la laitue. On va tenter ça. Alors, j'ai... Alors, le céleri, il est... au village. Enfin, à la plage. Il est quelle heure ? On a encore le temps. Si je peux en trouver un ou deux. Je ne le vois pas. Il est peut-être... Là-haut, ça m'étonnerait quand même. Non. Ou alors ça a changé maintenant et... Ben oui, il n'y a plus rien. Fallait que j'aille plus tôt. Thank you.
Donc faut que j'aille à Wagashi. J'y vais à pied, comme ça je récupère des graines. Enfin, pas beaucoup. Champignons, c'est la pleine période des champignons là. Si vous voulez manger des bons cèpes, allez-y. Je vais peut-être pas prendre trop de risques. Hop. Elle est où la rivière? Là. Je vais aller pêcher ici. Qu'est-ce qu'elle avait dit, Arven? Non, c'est pas là qu'on pêche. C'est où qu'on pêche? Dans le petit lac au milieu, là? C'était quoi qu'il fallait? Rien de spécial. Super, une perche. On va essayer avec un niveau 3. Trop simple celui-là. Une truite arc-en-ciel. Voici avec le gros poisson. Oh bah il y en a un là. Je sais pas si vous l'avez vu en bas à gauche de l'écran. Ah mais il est parti. Pas qu'on se couche trop tard quand même. D'habitude c'est dans la mine qu'on se couche tard, mais là... Bon, un thon c'est gros, donc normalement ça doit être... Ah, pas gros poisson. Là, c'est pas des gros, hein. Pourtant, il y avait des super gros que je voyais.
Je vais en retenter un. Bah, le temps que je fasse le tour, ils sont pas, ils ont disparu. Hein. Alors par contre là c'était un gros. Un huchon. C'est pas ça que je voulais. Enfin c'est un nouveau poisson quand même. Celui-là il a l'air pas mal non plus. Tu pourrais venir toi? Au moins, on aura attrapé un nouveau poisson. Mais si on pouvait avoir un thon. Oh, il est beau aussi celui-là. C'est encore le même. Je vais changer d'appât. Zut. J'étais pas en train de regarder, forcément. Hein, ça me paraît bien petit, ça. Ouais. Je crois que c'est foutu, hein. On n'aura pas le thon. Il est... Ah bon, il est 5h du matin. Passer la nuit à la pêche. Je sais pas si ma femme va me croire. T'as passé lui la nuit où? À la pêche. Doré jaune. Bon, en tout cas, deux nouveaux poissons. Oh. C'est encore un huchon. Hop. 12 360. On saura pas. Ah ouais, c'est encore un huchon. Bon, tant pis. Coucou chérie. Tu as l'air vraiment cool que quand tu te donnes à fond. J'espère que tu vas gagner. Je vais gagner quoi? Y a quoi aujourd'hui? La course de cheval. J'ai pas dormi.
Alors ça, c'est pas une superbe idée. Je crois bien que je sais même pas si j'en ai fait un festival. Si je dors, je me réveille quand là? Je me réveille que demain, donc c'est foutu. J'ai quoi là à faire? Noix de coco. Est-ce que j'ai beaucoup de chocolat ou de café? Oh, grain de café 2, c'est nul. Du lait. Bon, au moins ça va nous aider un peu. Ça, je peux les ranger, j'ai fait la quête. Il est 7h. Je vais couper juste la VOD et on va se reprendre. On va refaire juste l'enchaînement direct. Et on va aller essayer de faire ce festival, même sans trop de vie. On va bien voir ce que ça donne. J'avais pas anticipé ce point-là, mais on verra. En tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à bientôt pour la suite. Au revoir.